Salut, aujourd'hui on va découvrir le sécateur électrique sans fil de la marque Parkside de chez Lidl. Alors on peut le commander que sur le site de Lidl parce qu'il n'est pas en magasin. Il est au prix de 11 euros, on va dire 12, on arrondit à 12. On va le déballer et on va le découvrir ensemble. Alors, hop hop hop. Voilà, là il y a la protection. Le chargeur, un USB et la clé pour la lame là. Et la notice, oh la vache, ça c'est de la notice. C'est pour entretenir tout ce qui est rosier, des arbustes, des végétaux du jardin quoi. Poignée ergonomique avec revêtement souple antidérapant. Et si j'enlève la protection, je vais mettre ton doigt voir. Il est beau hein. Je l'allume, là il y a les voyants de batterie, c'est bien. Donc il y a la sécurité là, puis là et après là. Et là c'est USB-C et USB. Donc ici, c'est la charge. Alors, il peut couper max jusqu'à 14 mm. Quand la batterie est rechargée à fond, on peut faire jusqu'à 500 coupes. Ça va, vous avez de quoi couper. Bon, allez, on va l'essayer. C'est parti. Conclusion, je valide ce sécateur. J'ai envie de tout couper. C'est amusant de couper les branches. Ça serait moi, j'irais tout couper. Non, franchement, c'est un achat utile et pas cher de chez Lidl. Il est facile à tenir, ça coupe facilement, plutôt léger, ça va. Non, franchement, il est bien. Pas cher, simple d'utilisation et utile. Vraiment, je vous conseille ce sécateur. Il est au prix de 11,99€ et on le trouve que sur le site Lidl, pas en magasin. Bon bah voilà, je vous laisse sur ce test, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut.